Bonjour, Benjamin Ulrich, président fondateur d'Inten Technologies. Bienvenue sur cette nouvelle conférence de Digital Habitat qui s'intitule « Comment la donnée peut répondre aux enjeux de Habitat Hauts-de-France ». Pour cela, nous accueillons Stéphane Maillet, président du directoire de Habitat Hauts-de-France. Bonjour Stéphane. Bonjour Benjamin. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Stéphane, nous aimerions connaître votre entreprise, votre organisation. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui quelques mots sur Habitat Hauts-de-France dans son contexte territorial? Et également nous préciser comment Habitat Hauts-de-France est un partenaire aussi du groupement Habitat Réuni. Je vous laisse la parole donc pour nous présenter tout ça. Avec plaisir, merci Benjamin. Je suis évidemment ravi de te retrouver aujourd'hui pour échanger sur ces questions. Alors, Habitat Hauts-de-France, qui sommes-nous? C'est une entreprise sociale pour l'habitat, une ESH dans notre jargon, dont le siège est implanté à Coquelles, près de Calais. Calais étant le berceau historique de la maison qui est née en 1965, on fête nos 55 ans quasiment. On est implanté évidemment au niveau régional sur l'ensemble des Hauts-de-France, sur les trois départements, Nord-Pas-de-Calais, enfin le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme. Le groupe se constitue, pour faire simple, de deux entreprises sociales de l'habitat que sont Habitat Hauts-de-France, la maison mère, et une filiale depuis 3 ans qui s'appelle le Cottage Social des Flandres. Une autre structure qui est une coopérative HLM dédiée à l'accession à la propriété, Copronor, et une structure dédiée à l'habitat spécifique pour les personnes en situation fragilisée, on va dire ça comme ça, qui s'appelle HLI. En termes d'activité, c'est évidemment l'ensemble de la palette accessible à un bailleur social, la construction neuve, la gestion, l'entretien, la réhabilitation du parc, qui sont des enjeux sur lesquels on reviendra peut-être, des enjeux importants. La palette d'activité, le logement locatif, bien évidemment, mais aussi tout ce qui touche à l'accession à la propriété sous diverses formes. La promotion neuve, la vente de parcelles libres, de lots libres de constructeurs, et la vente de logements locatifs qu'on appelle, là aussi dans notre jargon, la vente HLM. Et évidemment, l'habitat spécifique que j'évoquais tout à l'heure. 30 000 logements au niveau du groupe, ce qui fait de nous un groupe de taille importante au niveau régional, ni petit, ni parmi les tout plus grands, mais une taille critique intéressante. 60 000 personnes logées, 300 collaborateurs au total, Habitat Hauts-de-France, HLI Copronor et le Cottage Social des Flandres. 300 collaborateurs, ce qui est important de souligner, 2/3 de collaborateurs de proximité. Parce qu'on y reviendra sans doute, mais on est, comme d'autres, très orienté vers le client et très attentif à ce que nos effectifs soient au maximum tournés vers le client. Ça veut dire des personnels d'agence, on est aujourd'hui dans l'agence de Roubaix, c'est une belle illustration de cet ancrage territorial, et des personnels de proximité, gardiens, employés d'immeubles, régisseurs, toutes nos résidences sont suivies par nos propres gardiens. 2 000 fournisseurs référencés, à peu près. Je pense que c'est un aspect aussi qui t'intéresse dans les échanges que l'on va poursuivre. Ça, c'est la base fournisseur 1 500 à 2 000. Pour être tout à fait transparent, le nombre de fournisseurs actifs, on les recense plutôt autour de 250-300 fournisseurs actifs. Voilà pour la carte d'identité de la maison en quelques mots, Benjamin. Super. Et donc, Groupement Habitat Réuni, je crois que vous faites partie de cette organisation. Comment aujourd'hui Habitat Hauts-de-France se situe au sein de cette organisation et finalement, que représente cette organisation aujourd'hui sur le logement social? Alors c'est une question importante que tu évoques parce que dans nos différents enjeux, il y a notamment la recomposition du paysage HLM à l'initiative des pouvoirs publics et de la loi Elan, qu'on effleurera peut-être rapidement. Et en effet, un pilier essentiel de notre stratégie là-dessus, c'est cet ancrage local et territorial que j'évoquais avec la constitution d'une taille critique au niveau régional entre Cottage et Habitat Hauts-de-France, mais c'est aussi ce groupe national Habitat Réuni dans lequel on est engagé depuis plus de 10 ans. Hein, puisque Habitat Réuni est une initiative de quelques bailleurs essentiellement franciliens et des Hauts-de-France à l'époque, on fait partie des cofondateurs, qui s'est beaucoup développé, je vais te faire l'économie des 10 années de développement, mais pour aboutir, il y a 2 ans, à la transformation en SAC. La SAC est une société anonyme de coordination, et c'est un des modes d'organisation des groupes HLM que le législateur a autorisé, entre guillemets, ou a envisagé de mettre en place. Tu as des groupes plus concentrés, plus capitalistiques, et des groupes coopératifs décentralisés. C'est le cas d'Habitat Réuni, qui fédère donc désormais, à l'heure où on se parle, plus d'une trentaine, 35 associés sur l'ensemble du territoire national, qui sont une grande majorité d'ESH, mais depuis 2-3 ans, nous avons aussi accueilli quelques offices publics, qui sont des autonomes, indépendants, on va dire de taille petite et moyenne, pour faire court, non adossés à des bancaires ou à des institutionnels, comme c'est le cas dans d'autres configurations, qui pèsent au niveau national 175 000 logements aujourd'hui, ce qui fait de nous le cinquième groupe HLM national. On a une spécificité, c'est qu'on est la seule SAC nationale d'autonomes indépendants.
D'autres SAC se sont constitués sur les territoires sous diverses formes. Mais le format qui est celui d'Habitat Réuni est un peu une particularité dont on est fier, qu'on veut porter et qu'on veut surtout alimenter en projet pour convaincre de son efficacité et de la valeur ajoutée qu'elle apporte du point de vue du législateur, puisque l'ensemble des organismes sont très attendus par les pouvoirs publics sur l'efficacité accrue dans le cadre de leur regroupement. Merci Stéphane pour cette présentation donc du groupement Habitat Réuni et puis de Habitat Hauts-de-France. Bon, on a déjà commencé à effleurer quelques sujets de stratégie. Alors, on va parler bien sûr de digital, de numérique aujourd'hui, puisqu'on est à l'événement Digital Habitat. Et donc tout ça forcément accompagne des stratégies. Donc ce qui nous intéresserait, c'est de comprendre aujourd'hui dans quelle stratégie Habitat Hauts-de-France est et finalement quels sont les objectifs que vous êtes fixés au sein de cette stratégie. Alors c'est évidemment une question pertinente. Benjamin, tu connais bien notre secteur d'activité. Tu sais que forcément les enjeux sont multiples. Alors je vais m'efforcer d'être synthétique et de fonctionner un peu en entonnoir. Mais il y a des enjeux qui te surprendront pas. C'est évidemment de rester bon, performant et au rendez-vous des attentes sur les fondamentaux de notre métier. On a une responsabilité particulière aussi qui nous incombe, c'est d'être au rendez-vous de l'efficacité. Et ça se traduit comment? Les volumes de production sur lesquels on est attendu. Évidemment, en termes de construction neuve, il suffit de regarder les rapports qui sont produits tous les ans pour constater qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir au niveau global, national, pour atteindre ces objectifs. Un enjeu de réhabilitation majeur sur la partie des patrimoines qui deviennent obsolètes. Alors on a plutôt, nous, en ce qui nous concerne, la chance d'avoir un patrimoine de moyenne d'âge inférieur à la moyenne régionale et a fortiori à la moyenne nationale. Mais on a aussi des enjeux qui arrivent sur ces questions-là. Et évidemment, ça ne te surprendra pas, la réhabilitation thermique, on est très attendu, comme les autres confrères, sur la performance énergétique de nos logements, la réforme des DPE. Ça, c'est un enjeu majeur. Ensuite, il y a l'efficacité des regroupements que j'évoquais tout à l'heure. On est aussi observé par les pouvoirs publics sur ces questions-là. Montrer que les regroupements, les modes de regroupement pour lesquels on a opté, se traduisent en termes d'efficacité supplémentaire. La transition énergétique, je l'ai évoqué. La transition numérique, évidemment, j'ai pas souhaité commencer par ça. Il n'y a pas de hiérarchie de priorité. C'est un enjeu essentiel pour nous. On y reviendra puisque là, vous, Intent, nous accompagne et nous apporte une valeur ajoutée sur ce volet-là. La qualité de service et la satisfaction client, c'est évidemment lié à cette transition numérique aussi. C'est pas le numérique à tout prix. On est un métier d'humain, on est un métier de social, donc on est très vigilant à garder des équilibres, à ne laisser personne sur le bord de la route, mais on peut pas regarder passer les trains en termes d'efficacité de service client liée à la qualité des solutions numériques que l'on déploie. Et ensuite, on a évidemment des enjeux sociétaux, et j'en terminerai là parce qu'ils sont potentiellement sans fin. Notre métier est passionnant, mais on est attendu sur de très nombreux sujets. Le vivre ensemble, l'accompagnement des personnes défavorisées, l'accompagnement des personnes qu'on peut accompagner sur l'insertion, sur la réinsertion, les sujets, l'actualité terrible du moment nous apporte aussi un éclairage, les sujets liés à l'hébergement des réfugiés. Les réfugiés ukrainiens en ce moment sont évidemment un sujet qui apparaît de manière prégnante depuis quelques semaines. Les sortants d'hébergement, les publics défavorisés. Donc voilà, le rôle d'un bailleur social est évidemment multiple parce qu'il est au cœur de la société, au cœur des quartiers, au cœur de la cité. Ok. Très intéressant et j'en profite d'ailleurs pour souligner justement la richesse de ton métier parce que c'est un métier que je côtoie maintenant depuis de très nombreuses années, un métier qui, je pense, est très attractif aussi pour toute la nouvelle génération. J'aime à le rappeler parce qu'il est encore trop méconnu et je pense qu'il faut savoir le partager quand on en a l'occasion. Juste par rapport à ses moyens, justement de stratégie, on parle de recrutement, on parle de talent, on parle de numérique et on parle aussi de pouvoir mettre en place une organisation. Finalement, comment tu envisages ou comment tu as déjà initié cette démarche de stratégie et de déploiement de cette stratégie aujourd'hui? Alors, je rebondis sur un point et je réponds à ta question, mais lié au recrutement et à l'attractivité. Oui, notre métier est passionnant. Notre métier est au carrefour de l'économique, du social, du politique, du financier, du patrimonial. C'est un métier passionnant qui est parfois méconnu. Peut-être que quand il n'est pas connu, il attire pas spontanément, mais pour ceux qui l'ont découvert aux confins d'un parcours professionnel et qui ont cette fibre, parce que c'est un métier qui a beaucoup de sens, généralement, quand ils mordent à l'hameçon, ils vivent des expériences exceptionnelles. Alors à nous de continuer à peut-être casser quelques a priori, quelques idées préconçues qu'on peut se faire du secteur, qui par le passé n'a peut-être pas toujours fait parler de lui pour les plus beaux aspects, à nous de continuer à convaincre sur la valeur qu'apportent nos métiers sur les territoires et sur la richesse
de nos métiers pour attirer des jeunes compétents, des jeunes de talent qui vont continuer à nous bousculer, à bouger les lignes et à nous inviter à nous renouveler. Je referme cette parenthèse, mais elle est essentielle pour l'avenir de nos métiers. D'accord. Alors, comment on s'organise pour répondre aux enjeux? Oui. C'est ta question. Alors évidemment, dans le cas d'Habitat Hauts-de-France, on a un gros sujet depuis 2-3 ans qui avance, qui se passe bien, qui se met en place. C'est le sujet du rapprochement avec le quotage social que j'évoquais tout à l'heure. Les deux personnes morales continuent à exister. Il n'y a pas de projet de fusion à proprement parler. Les deux marques continuent à exister sur leur territoire parce qu'elles ont une valeur. Donc ça, c'est important dans notre projet. On continue évidemment à réfléchir à une optimisation, à des mutualisations, à des synergies entre nous. Donc on avance ensemble en termes de mutualisation sur le développement, sur la direction financière, sur le RP, sur la DSI, sur les profils de RH, sur la rationalisation de nos implantations territoriales. Évidemment, autre sujet qui nous occupe beaucoup dans ce que l'on met en place pour être au rendez-vous des attentes, c'est la structuration d'Habitat Réuni qu'on évoquait tout à l'heure. Là non plus, je ne développe pas trop, je serai trop long, mais on a de gros sujets pour alimenter un projet qui prouve à la sortie que finalement, ensemble à 30, on fait plus et mieux que chacun de notre côté, isolé sur nos territoires. Une organisation de proximité toujours plus renforcée, je le disais tout à l'heure, c'est essentiel, parce que si on perd de vue l'accompagnement du client, la disponibilité pour l'élu, collectivité locale, donneur d'ordre, les services avec lesquels on gère les attributions logement, la capacité à intervenir rapidement auprès d'un client qui nous sollicite sur une demande d'intervention technique, sur un besoin d'accompagnement, un gardien qui est disponible immédiatement, un dispositif d'astreinte, voilà, tous ces sujets d'organisation de proximité, on les travaille en permanence, on s'est aussi livré à quelques ajustements, quelques renforcements ces derniers mois, c'est un pilier important. Un scénario de transition numérique, et là je vais forcément voir ton œil s'allumer, ton œil briller, parce que c'est sur ces questions-là que vous nous accompagnez. On a mis en place depuis 4 ans un comité de pilotage trimestriel qui nous permet d'évaluer le scénario de transition numérique qu'on a validé il y a 5 ans. Un projet d'entreprise qui est désormais un projet groupe avec le quotage social, qu'on réinitie cette année et il va alimenter 9 chantiers durant les 3 ans qui viennent. La stratégie évidemment de rénovation thermique, la réflexion d'une politique énergétique commune au sein d'Habitat Réuni, et là aussi les sujets d'Inten sur l'utilisation des données de notre parc, de notre patrimoine, des interventions de nos prestataires jouent un rôle évidemment dans ce dispositif. Et enfin le service client au travers des restitutions de données que nous permettent un certain nombre de solutions que tu connais bien, Benjamin. Merci Stéphane de nous avoir partagé en détail toute cette stratégie. Je pense que c'était un moment très important pour expliquer effectivement ce pourquoi Intent, depuis maintenant près de 11 ans, entreprise qu'on a lancée finalement avec une lecture de mouvements qui s'opéraient sur le logement social de vos entreprises, justement de remettre au centre ce locataire, de remettre au centre un certain nombre de défis de la société auxquels vous étiez confrontés et pour lequel vous représentez finalement le dernier kilomètre pour pouvoir accompagner ces transitions. Je dis bien ces transitions, tu l'as cité à plusieurs reprises, qu'elles soient aujourd'hui écologiques, climatiques, sociales, environnementales ou encore numériques. Et c'est vrai que Intent, on s'est attaché depuis le départ, au-delà du produit que l'on peut déployer, on va y venir tout de suite, c'est aussi d'accompagner ces transformations d'entreprise, parce que plus que le produit, ce qui nous intéresse, c'est le projet de l'entreprise. Tu en es l'illustration, merci pour ça. Et donc pour nos auditeurs, je vais juste expliquer en quelques mots donc la plateforme Intent. C'est une plateforme cloud, aujourd'hui déployée sur près de 42 bailleurs sociaux, dont Habitat Hauts-de-France, on va y venir tout de suite, qui a fait le choix, de déployer cette plateforme. Cette plateforme cloud, aujourd'hui, permet de piloter et interagir avec tout l'écosystème des fournisseurs et solutions connectées déployées sur un parc immobilier. On est aujourd'hui centré à organiser autour de cette plateforme un écosystème. On estime aujourd'hui à plus de 180 acteurs organisés déjà à échanger de l'information sur la plateforme, qu'ils soient petits artisans ou multinationales, en passant par des éditeurs de logiciels ou des solutions connectées. Tout ça permet de créer une valeur à la data, à la donnée. Évidemment, cette donnée est un vrai actif pour un bailleur social parce qu'il accompagne toute la stratégie qu'on vient d'évoquer. Pour cela, on s'attache, et dans tous les projets avec nos clients, à ce qu'elle soit utile et utilisée. Il faut évidemment, et tu en as parlé, qu'elle impacte cette relation client, cette relation à l'occupant, pour pouvoir donner de l'information aux équipes de proximité, mais aussi à un téléopérateur éventuel, de savoir ce qui se passe sur le patrimoine en suivant, par exemple, une intervention
depuis son déclenchement jusqu'à sa réalisation, mais aussi de donner aux plus experts de tes équipes, qu'ils soient énergéticiens ou responsables de contrat, des capacités à mieux piloter la relation fournisseur, mettre encore une fois une relation fournisseur plus dans la dans le bâton et la carotte, mais plutôt dans une relation de partenariat. Je pense que vous avez besoin, dans ces transformations de transition importantes, d'avoir les fournisseurs à vos côtés qui vous accompagnent. Et encore une fois, je parle bien de tous les fournisseurs, les petits et les grands. Vous êtes dans un maillage territorial. Et donc, faire en sorte que cette relation soit de manière à centrer les efforts là où vous en avez besoin. Optimiser aussi, on parle beaucoup de travaux aujourd'hui. Vous construisez, vous réhabilitez. Évidemment, maîtriser les usages de vos bâtiments sur le fonctionnement, le réglementaire, vous aidera à mieux organiser la planification des travaux qui sont rendus nécessaires, soit par la réglementation, soit par simplement une nécessité d'entretien. Et puis, je pense que c'est aussi, on en a parlé en tout début, le modèle économique. Absolument. Vos modèles économiques sont chamboulés. La loi Elan a quelque peu aussi accéléré un certain nombre de transformations. Je pense qu'on n'est encore qu'à une étape de ces transformations. Absolument. Donc, Habitat Réuni, tu l'as souligné, apporte une réponse. Évidemment, travailler sur la donnée, c'est se donner l'opportunité de se poser la question différemment sur la manière d'opérer peut-être des nouveaux services au contact des populations que vous avez dans vos logements, de défis sur le vieillissement, sur la précarité énergétique. On parlait aujourd'hui de remise à l'emploi. Donc, on l'a abordé dans une autre conférence justement avec Julien Paul de Habitat Réuni sur justement tous les impacts de vos organisations. Voilà, donc Intent, clairement, on s'inscrit vraiment dans ces projets-là. On fournit des applications web et mobiles à vos interlocuteurs, mais aussi on s'intègre dans vos outils d'ERP ou solutions digitales au sein de votre organisation. Et donc Stéphane, peux-tu nous partager justement en quoi une plateforme comme Intent accompagne finalement ce projet stratégique et comment tu vois l'évolution de ce projet au sein de ton organisation? Avec plaisir. Tu as fort bien résumé la question. Donc je vais pas être redondant, mais je voudrais juste rebondir sur un ou deux points. C'est clair qu'il y a des enjeux sur la donnée. Par contre, faut pas se tromper de débat. Pour ce qui nous concerne, le but n'est pas, je vais faire exprès d'être un peu caricatural, mais de marchandiser de la donnée. Pour nous, travailler sur les sujets de la donnée, ça n'a de sens, et c'est en ça qu'on a bien matché, ça n'a de sens que si on apporte de la valeur ajoutée à la façon dont on exerce le métier, de la valeur ajoutée aux clients, et de l'efficacité supplémentaire dans notre écosystème, c'est aussi un mot très à la mode, avec nos partenaires et nos fournisseurs. Tu as rappelé leur importance, c'est essentiel. On a cet ADN chez Habitat Hauts-de-France de partenariat avec nos fournisseurs. C'est un sujet essentiel parce que au-delà de ce qui est parfois un rapport purement commercial, il faut pas se le cacher, il y a surtout un rapport partenarial qu'on doit faire vivre. Je décris pas un monde parfait de bisounours, mais si on est animé par cette volonté de servir une même cause et de faire progresser notre dispositif, on y gagne déjà beaucoup. Donc ça, c'est essentiel. On se connaît avec Intent depuis quelques années. Au tout début, il se trouve que on n'a pas tout de suite concrétisé la collaboration. Vous avez de manière remarquable développé votre outil, votre modèle, votre société. On n'a jamais perdu le fil, on n'a jamais perdu le contact, et on s'est rendu compte que vous couvrez une problématique qui est à la croisée de deux enjeux essentiels. L'enjeu de la transition numérique, je l'évoquais tout à l'heure, et l'enjeu du service client, et donc de la qualité et de la satisfaction client. Avec ce que je t'ai expliqué en préambule, il était normal qu'on se rend compte et qu'on match. Et surtout, d'un point de vue plus technique, mais que je ne vais pas développer, vous avez développé une solution qui nous permet de fonctionner en architecture ouverte. Or, on a une spécificité parce qu'on fait partie de ces rares, pour pas dire ces seuls bailleurs, qui ont leur ERP en propre. Donc ça, c'était aussi un paramètre très important pour nous. Oui, l'interopérabilité. Un vrai sujet aujourd'hui auquel Intent s'attache, effectivement, c'est que en tant que plateforme, c'est un des critères clés effectivement de développement de notre société, mais plus fort que ça, en cette année 2022, c'est d'être aussi un tiers de confiance. Tu as parlé de la donnée, c'est un sujet éminemment stratégique pour toute organisation, et clairement on s'attache chaque jour aujourd'hui à garder ce positionnement de tiers de confiance en mettant en avant d'une part que finalement l'usage de ces data est centré exclusivement à l'usage par nos clients aujourd'hui et ne faire aucun autre usage, de respecter aussi tous les enjeux réglementaires qui incombent maintenant notamment aux données personnelles. Absolument. Et puis de veiller aussi à la sécurité qui reste
un sujet éminemment important pour pouvoir maintenir, j'irai, la continuité de nos collaborations. Si tu m'autorises, pardon, Benjamin, il y a aussi des passerelles dont on sent intuitivement qu'elles vont trouver du sens au fil des mois et des années. C'est que, bien évidemment, quand on parfait la connaissance de nos équipements dans nos logements au travers des solutions Intent et des données qu'on restitue, mais au travers aussi du suivi des interventions qui sont réalisées par nos prestataires sur nos logements, c'est là où la solution est intéressante, c'est que vous avez créé cette interface, cette connexion entre les prestataires et le bailleur. On sent bien intuitivement qu'à un moment donné, une passerelle va s'établir avec le sujet qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, mais le sujet du BIM. Quand j'évoquais tout à l'heure un scénario de transition numérique que l'on a construit au fil des années, on a aussi construit un scénario d'atterrissage BIM sur une numérisation progressive de notre patrimoine. On est en plein dedans. Donc on voit que tout ça a du sens à aujourd'hui, et je l'espère, aura du sens à moyen long terme. Parce que vous, comme nous, on a la préoccupation de la pertinence des solutions qu'on déploie. Donc on va évidemment se mettre, c'est une convention qu'on vient de signer il y a un mois et demi, deux mois, on va se mettre en situation, vous comme nous, de la suivre et de l'évaluer dans le temps, d'en tirer le bilan. Évidemment, on est plein d'espoir et plein d'attentes, et on a le sentiment que ça va amener des choses très intéressantes, mais il faudra encore pouvoir le vérifier. Et si les rendez-vous, comme on le suppute, sont à la hauteur des attentes, je pense qu'on a des sujets intéressants à continuer à développer pour l'avenir. Alors le BIM, on pourrait en faire, je pense, une autre conférence de Digital Habitat, mais tu as bien fait de le rappeler. Intent est un acteur aujourd'hui du BIM. On représente aujourd'hui une capacité sur la partie de la phase exploitation des bâtiments de mieux gérer finalement tout le I de information du BIM qui vient de plus en plus être augmenté par les capacités de modélisation du patrimoine qui sont offertes notamment par la construction des bâtiments et donc conception qui prévoit maintenant la livraison parfois de maquettes numériques qui peuvent être amenées à être exploitées dans certains cas d'usage sur la phase d'exploitation et puis aussi la réhabilitation puisqu'elle amènera aussi à l'utilisation du numérique. Donc clairement on est complètement moteur à vous accompagner en fait dans la numérisation de l'ensemble des phases d'exploitation du bâtiment, de sa conception, construction, de sa réhabilitation, exploitation et même le réemploi. On voit beaucoup d'entreprises sur ces sujets-là. Peux-tu nous partager quelques éléments de vision finalement de la place du logement social dans notre société du monde d'après, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui? C'est une question extrêmement complexe que tu poses là, et je vais te donner une vision qui est forcément aussi personnelle. Je ne vais pas être redondant sur les grands enjeux du secteur qu'on a développés en démarrage de notre échange. Je pense qu'aujourd'hui, tu l'as parfaitement compris, on est à la croisée des chemins. Il y a cette loi Elan que tu évoquais, qui a généré une redistribution des cartes sur le territoire, et dans quel cadre s'inscrit-elle cette loi Elan? Dans le cadre d'une volonté des pouvoirs publics d'inciter, assumons le mot, à une concentration du secteur, comme d'autres secteurs d'activité l'ont connu au travers des dernières décennies. Donc je pense que un de nos enjeux, c'est de trouver le bon curseur, le bon dimensionnement. Légitimement qu'on cherche à atteindre des tailles critiques, c'est un débat serpent de mer depuis 40 ans dans le monde du logement social, ou plus, qu'on cherche à trouver une taille critique, c'est évidemment légitime. Qu'on cherche à assurer les conditions d'efficacité du modèle économique, de performance économique du modèle, c'est légitime. Que l'on considère qu'en deçà d'un certain seuil, il n'y a pas de sens à ce que tout ça s'entend parfaitement. Mais une concentration qui serait poussée à l'extrême pourrait aussi comporter un inconvénient qu'on peut tous sentir intuitivement, c'est à un moment donné s'éloigner du territoire. Donc pour moi, ma responsabilité, notre responsabilité en tant que dirigeant d'organisme, c'est de trouver cet équilibre entre la taille critique, l'efficacité du modèle et notre capacité à être un acteur de proximité, ancré dans son territoire, avec des circuits de décision courts, action, réaction. Toute l'organisation d'un bailleur social doit être fondée sur cette capacité à faire vivre cet ancrage territorial. Ça me paraît essentiel. Et les grands enjeux, je ne vais pas y revenir, on les a évoqués, c'est évidemment être au rendez-vous des attentes sur les volumes de production, mais très attendus là-dessus, et la rénovation thermique du parc. Et puis surtout, dans un contexte sociétal qui parfois, il faut quand même dire les choses clairement, se tend, eh bien jouer notre rôle au cœur de la cité, comme je le disais tout à l'heure, l'expression est un peu convenue, ou au cœur des territoires ruraux ou semi-ruraux, parce que pour ce qui nous concerne, on est très implanté sur les ruraux semi-ruraux, à notre place de contribuer à cette résorption de la fracture territorial. Là aussi, c'est un terme qu'on a beaucoup entendu ces derniers mois, mais c'est une réalité parfois que l'on constate. Donc, trouver cet équilibre entre la taille, la proximité,
l'efficacité du modèle, l'humanité de notre modèle pour accompagner ceux qui en ont besoin. C'est très clair. Je m'associe pleinement à ce que tu viens de partager. Difficile de ne pas partager aussi un avis personnel dans ce type de questions. Aujourd'hui, le logement social pour nous a été un formidable amortisseur aujourd'hui de la crise sanitaire que nous venons de vivre. Je pense également que le logement social a besoin de déployer son ancrage local en étant elle-même une plateforme orientée à accompagner tous ces enjeux vis-à-vis des locataires. Absolument. Pour ça, le numérique est un enjeu clé pour ces organisations. Merci Stéphane, en tout cas, pour ce partage, cet échange que nous avons eu. Avec plaisir, Benjamin. Je te remercie beaucoup.